portais tes couleurs lors de mes combats. Un album double CD. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Voilà. 38 titres. Vérité noire dans le blanc de l'œil. J'ai fini l'album. Je suis dans les phases de mix et de mastering. D'accord. Et là, mon petit frère, il m'a fait 4 clips extraordinaires pour annoncer l'album. Et les clips traitent directement les origines de tout le monde, de la toute civilisation, du berceau de l'humanité. Donc c'est 4 clips déjà qui commencent sur la négritude de l'Afrique. Donc voilà, et pour annoncer la couleur directe, tu vois, c'est Vérité Noire dans le monde de l'œil. Et après, ben, on va progresser dans les problèmes de social. On va aussi évoluer dans des divertissements et aussi dans des clashs. Ah d'accord. Voilà, parce que, c'est vrai que des fois tu m'avais dit qu'il y avait des personnes avec qui tu voulais régler. Ouais, je réglais mes comptes, tu vois. Parce que pourquoi? Si la R&B existe et le rap existe, c'est que la R&B c'est comme une danse classique. Et le rap c'est de la boxe. C'est du free fight, c'est du UFC. On peut se permettre de combattre. Donc le rap c'est le combat. C'est né de des groupes américains qui étaient dans la lutte. Donc si tu as un règlement de compte à faire, si tu dois taper, il faut faire du rap. Si tu tapes pas physiquement, ben, tape avec ta bouche. Tape le système avec ton rap et tape sur les gens que tu estimes qu'ils ne sont pas dans ta conviction et dans tes codes moraux. Voilà. Donc voilà, moi j'ai clashé. J'ai une partie qui est clash. Je règle mes comptes avec ceux de ma génération et je règle mes comptes aussi avec ceux qui font cette génération-là. Ils sont des imposteurs. Tu vois ce que je veux dire? Et même s'ils vendent des millions de disques, c'est une bande de narvalos, tu vois. C'est une bande de guignols, tu vois, qui ne connaissent pas la rue, la majorité, et qui s'inventent une vie. Ils sont c'est des mythos. Bouba, c'est pas quelqu'un de la rue, Bouba. C'est un frère aussi. Mais il n'est pas de la rue. La Fouine, c'est pas de la rue. Déjà, la Fouine, il a une histoire morale douteuse. Douteuse. Si tu suis bien, tu vois ce que je veux dire. Et Fête des Mères m'a fait très mal. Fête des Mères qu'il a fait, ça m'a fait très très mal. Donc moi, je ne vais pas rester comme ça. Je suis obligé de m'impliquer. Je suis un combattant, je suis un guerrier. La Fouine m'a fait mal. Quand on te tend à manger, quand on te donne ton la main, il ne faut pas cracher dans la main. Tu sais pourquoi je dis ça? La Fouine, une fois à Sergi, devant mes caméras, un de mes soldats lui a posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Joe Dalton? Il a dit, c'est qui? C'est qui ça? C'est qui Joe Dalton? Parle-moi de BO2O. Les autres restent en chien. Mon gars, le temps qu'il a posé la caméra à Sergi, la Fouine s'est sauvée. Il sait pourquoi. Il s'est sauvé et je pense qu'ils ont essuyé des bastos. Parce que les petites Sergi, la majorité, c'est d'origine Black Dragon. Donc quand tu arrives sur un territoire qui a été conquis par les anciens, même s'ils sont chiens, t'amuses pas à cracher sur eux, tu vois. Et donc il n'a pas pu faire le concert. Suite à ça, je vais tirer la barbichette au gibus, à la boîte. Je l'ai serré là-bas, je voulais lui couper la barbichette. Après, bon, j'étais raisonnable. J'ai abandonné l'affaire. Je voulais lui faire très mal. Mais il a travaillé après avec des gens que j'aime bien. Et par respect du business de ces gens-là, j'ai laissé l'affaire. J'ai damé dessus. Après, il a trahi mes petits. Il a trahi mes homeboys, mes soldats. Il a voulu en produire un. L'autre lui a fourni ses éléments, ses clips, ses titres. Il a copié. Il a fait du plagiat. Il a fait des clips. Le jour où je partirai, tout ça. Copié de mes gars. Là aussi, comme nous, on ne veut pas faire du bruit, on ne veut pas faire des clashs rap, on s'est retiré parce que voilà, on est dans les pratiques, on est dans les trucs, on a d'autres objectifs. Alors, après, je vois leur bagarre de guignol, tu vois, avec Booba et tout ça, où ils se mettent des coups, on ne comprend pas trop, tout ce cinéma-là qui excite les jeunes. Là. Et je les vois après dans des sextapes, des trucs, enfin on m'en parle quoi, on me dit des trucs chelous, on doit aller voir faire des trucs sales.
Je me dis, c'est trop, quand même. Là, c'est trop. Il va falloir que je lui réponde. Je lui réponde concrètement, en rap. Et après, il faudra qu'il fasse... S'il fantasme sur les combats de rue, il faudrait qu'un jour, qu'il soit vraiment devant des vrais combattants de rue. Quoi. Qu'ils arrêtent de fantasmer et de faire de l'oseille sur des vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis sur les côtes à la fin au niveau clash. Et après la street, ben, y a suffisamment de guerreros qui sauront lui expliquer les choses pour comment ça se passe. Tu vois, donc moi, je vais régler mes comptes avec lui. Mis de côté la douleur pour tout donner sur l'air de combat. I am, voilà, comme une partie de Sector A. Et moi, c'est eux aussi, c'est une des causes de notre défaite. Tu vois, parce qu'ils tenaient le marché. Et ils ont passé leur temps à jouir dans ce milieu que de construire vraiment. Tu vois, donc moi je règle mes comptes, j'ai un titre spécialement pour eux. J'ai un titre aussi pour NTM, parce qu'au début je croyais qu'ils étaient authentiques. Et quand je puisse bien dans les affaires, ils étaient dans le lobby Gauthier, trucs des gays, tout ça. Donc c'était normal un peu qu'ils avaient plus de visibilité. Donc tu vois, on n'était pas dans la même enseigne en fin de compte. Nous on était dans la rue, le froid nous frappait dessus. On se battait pour qu'il y ait une reconnaissance, une identité. Et les gars, ils rentraient déjà dans les buildings, ils faisaient du cinéma et on les faisait passer pour des hardcore. Donc je règle mes comptes avec toute cette vague des gens là, tu vois ce que je veux dire. Les esprits s'échauffaient tout autour, fallait représenter quand ce fut mon tour. Je traite les sujets africains, donc je règle mes comptes avec le système aussi, parce que je combats le système, tu vois. Et je ne peux pas passer à côté. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est l'Occident, les Blancs, machin, qui nous font du mal. C'est nous-mêmes qui nous détruisons. Les armes, c'est nous qui les achetons. On ne nous met pas dans la main. Tu vois, tu vas au Congo, tu vas partout, on achète les armes, mais on se tue, on se viole entre nous. Tu vois, faut pas te raconter l'histoire. On n'est pas dans un monde de peace and love, unity, et que les Blancs, c'est le grand diable qui vient nous bouffer. Hein. C'est nous, on est devenus nos propres démons, notre propre chétan, tu vois, mon frère. C'est nous, hein. Donc il faut qu'à un moment, il faut qu'on se nettoie nous-mêmes. Hein. Il faut nettoyer à ta porte, mon gars. Avant de sortir, tu te laves les mains, tu te laves. Quand je te serre la main, ma main, elle est propre. Si ta main, elle est sale, tu me salis aussi, tu vois ce que je veux dire. Et après, c'est pas bon, tu vois. C'est au niveau magnétique, tu me mets de mauvaises vibrations qui me suivent tout le temps. Donc voilà, donc moi, je nettoie, c'est mon milieu. Quand moi, je marchais dans la rue, je me battais pour cette culture, pour les miens. Ils n'étaient pas là, ces narbalos là, tu vois. Ils en ont tous profité, ils ont joui tout de ça, sauf moi. Moi, j'ai toujours été dans la lutte. Donc aujourd'hui, je me rends compte que tu te luttes contre un géant, et à côté de ça, il y a les tiens qui te mettent des pics. Comment tu vas te lutter si on te met des petits coups de couteau dans les jambes, partout? Comment tu vas te lutter contre un géant? Tu te retournes, tu rêves d'abord chez toi, tu nettoies chez toi, et après tu reprends des forces, tu pourras combattre les géants. Donc moi, ils ont foutu un gros bordel. Et l'autre sex symbole de Booba, hein, il vient et il se dit africain, pro-black, machin, et il utilise des trucs subliminaux pour tourner la tête des gens avec des discours super vulgaires, bien tournés, bien tourmentés, un bon ingrédient, tu vois. Et ils parlent ça, tu vois, et tout le monde est derrière, il crée une histoire de ouf, il se fabrique une histoire de gangster, il fait des bagarres bizarres, des trucs, et tu vois, c'est trop ça. C'est trop pour quelqu'un qui vit vraiment la misère, la violence des autres. Tu vois, moi je reste comme ça, il y a la guerre en Centrafrique, il y a la guerre au Congo, la Somalie va mal, les ghettos américains ça va pas, Détroit, la misère est super dure à Orléans, l'autre il te fait des rêves de Miami, mon gars, et il dit qu'il est pro-black, alors qu'un bon afro, il parle que de l'Afrique et il rêve d'aller vivre en Afrique, il rêve pas d'aller vivre à Miami. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas trop ce truc. Tu vois? Donc moi, je règle mes comptes avec ça, des faux types comme ça. Des faux types comme Kémy Sebab aussi. Tu vois, je veux dire, des mecs comme ça, des mecs comme ça qui arrivent avec des beaux discours qu'ils ont appris dans les bibliothèques. Tu vois, ils reprennent les discours des grands révolutionnaires, ils se fabriquent une image parce qu'ils ont la rhétorique, ils ont cette intelligence-là. Tu vois, et ils viennent et ils lobotomisent les meufs. Hein, ils tapent les meufs de ces gars qui le boostent, qui le mettent au top. Tu vois ce que je veux dire? Sous prétexte parce qu'il a subi des sévices quand il était gamin. Et donc il reproduit ça sur ses propres gars qui le hissent au top du truc.
et après on le prend pour le leader black alors qu'on l'a pas vu mouiller le maillot. Il pissait sur lui dans les gardes à vue. Tu vois ce que je veux dire? Il invente une série de mises en scène comme quoi il va attaquer des sionistes, des juifs dans des quartiers machin, qui fait des mises en scène. Il a inventé une histoire comme quoi il a créé une école panafricaine pour les enfants alors que ça a été une mise en scène. Quand tu apprends tout ça, quand t'es un ancien et que tout ça vient dans tes oreilles par des vrais acteurs du truc qui eux sont mouillés le maillot, et tu te dis mais c'est quoi ce délire? C'est quoi? Ça va où? Moi, je vais manger mon compte avec eux. Ça, c'est une grosse partie du CD aussi. C'est une partie du CD. C'est pas une grosse partie, c'est un titre. Un titre qui touche ces trois-là. Là. Ces trois sodomites. Sodomites, tu vois, des sodomites pour moi. Tu vois, c'est des sodomites, des béodophites. Tu vois ce que je veux dire? Des kébites, c'est bas. Tu vois, des kébites, c'est bas, très bas. Tu vois, des coups bas. Spécialiste pour moi, c'est ça. C'est un titre que je vais faire. Sur sodomite. Béodophite et Kébit Seba, Seba. Voilà, ça c'est un titre. Après le titre sur secteur A s'appelle Allez, viens prendre un petit coup dans mon quartier. C'est vite fait. J'explique que les gars, ils ont été les catins du système. Tu vois, le système les a utilisés comme un mouchoir et après ils font les catins comme il fait le frangin Passy. Là, il fait Air Afrique, il essaie de gratter encore, après, dealer de raga, dealer de zouk. Tu vois, ils ont mis des catins, mais ils continuent à gratter un truc qui n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc moi, je règle mes comptes avec eux. Quel honneur de le faire pour toi et de sentir ta présence juste là. On était beau, on était fort, on était fiers. Le temps fait que les choses vont se vérifier. Quand t'es un homo refoulé, aujourd'hui tu peux te permettre de te marier puisque maintenant c'est le mariage pour tous, t'as plus besoin d'être refoulé. Aujourd'hui un homo il peut s'émanciper, son kid, on n'est plus dans les années, certaines années où tu vois. Donc tu vois le temps fait que les homos refoulés ils s'émancipent. Donc tous les bidons là, les gens qui se la racontent là, regarde, la foule et Booba, ils jouent les gars qui font la boxe ta et qui font les taux et qui font du machin. On les a vus dans leur baston. On a vu leur combat. C'est un combat de tarlos, non pas. Donc tu vois, à un moment, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout de leur truc et après on voit que c'est pas ça. Ils n'ont pas le niveau. Les petits du quartier, les mêmes nièces, elles se tapent mieux que lui. Mieux que. Tu vois, donc ils n'ont aucune rage. Ils n'ont pas tout ça, ils vivent dans le luxe. Pourquoi ils vont s'inventer une vie des gens qui font des vrais combats? Ou c'est des combats de survie? C'est des vrais combats de survie. Quelqu'un qui. Un Gracie qui monte en UFC, il a que ça. Un Tyson qui monte, ils ont que ça, mon frère. Lui, ça invente complètement une vie. C'est du fantasme. C'est de l'exotisme, c'est de l'érotisme qu'il fait. Je dis pas. Il se tatoue le point ici. Pour montrer qu'il est black power, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il est suffisamment pas nègre et qu'il faut qu'il ait un point au cou. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, et puis comme c'est un métis, donc il est clair, et que le système, ils aiment ça, mettre en avant des gens clairs pour le sexe symbole, c'est beau. Ils l'ont tailladé bien, ils l'ont sculpté comme un diamant, une musculature, tout ce qu'il faut, machin, avec un discours complètement obscène qui te lobotomise toutes les filles et les ramène dans les trucs de ouf. Et ils disent voilà, toi t'es le sexe symbole, l'imbal du black, beau black. Le beau black révolté, un peu gangsta. Voilà, vas-y, allez, uncut. Tu nous balances des itrémas à la Illuminati dans le truc et tu dis ça uncut. Et tu nous fais ça propre. Et tout autour de toi, t'as une communication super forte du lobby sioniste qui nous en met plein la vue. Et derrière ça, tu te caches derrière un espèce de rebelle et façon. Et tu racontes des conneries. En attendant, en Centrafrique, ça défouraille, il y a des enfants soldats, il y a une réalité de ouf, tu vois ce que je veux dire? Il y a une misère sociale qui monte partout dans le monde. Et toi, t'es à Miami, tu nous survoles et tu nous chies avec la merde des rêves américains. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas possible, mais ça, il faut aller faire. Chez moi, ça passe pas. Booba, pour moi, c'est comme un petit frère, tu vois. Mais pour moi, c'est un petit frère qui est perdu. Il cherche une identité et il se fait manipuler, il ne se rend même pas compte qu'il va dans des directions et croit que c'est ça, mais c'est pas ça. Il nous fait du mal un peu. Pour être talent,
regarde tes enfants. On reste beau, on reste fort, on reste fier. Même dispersé, je sais que tu nous entends. On traverse le temps. Il y a des prods old school, il y a des prods récents qui est d'actualité. On fait les choses à notre niveau pour te mettre bien. D'ici, on ne t'oublie pas. J'ai fait des feats avec Black Skin. Tu vois, même si aujourd'hui ils sont pas trop sur la scène. Parce que le concept Black Skin, ça nous ressemble beaucoup au Black Dragon. Et puis c'est mes homeboys, c'est mes soldats. Donc on a fait un feat réel en tant que soldat. J'ai fait un feat avec les SWC, mes autres soldats, mes neveux, Tug T, Tug N. J'ai un titre avec Tuki, tu vois. Sans toi on est rien, tu verras, tu rebrilleras. Nous on y croit. Moi j'ai proposé à Gabin de faire un feat à l'époque où il y avait les Clash, parce qu'ils en avaient fini avec les Clash. Et je comprenais pas que ça revenait, les Clash de rock, Booba et tout ça. Et donc je me suis dit, s'ils n'ont pas compris, ils veulent remettre ça, ben on va faire un feat ensemble avec Jean Gabin pour montrer que voilà, tu vois. Jean Gabin, il a refusé, c'était pas dans son timing et il voyait pas l'intérêt. Donc aujourd'hui, ça sera pas d'actualité, ça sera jamais d'actualité parce que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait à l'époque, mais là aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait ses affaires, tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait ses affaires. Bon, on a fait un interview ensemble, c'était pour marquer le coup. Et puis voilà, c'est tout. Moi, j'ai une autre vision des choses dans la vie que lui, tu vois. Même si ça peut se rejoindre parce qu'on a eu un passé, on a eu les mêmes traces dans le passé quelque part. Sauf que moi, tu as vu, je ne suis pas un braqueur, je n'ai pas été dans son équipe, tu vois. Et chaque fois que j'ai braqué, je ne vais pas le chanter, tu vois. Braquer pour moi, c'est rien du tout. Braquer, se prendre une arme et faire des trucs qu'il faut, tu vois. Mais moi, je ne vais pas le raconter, tu vois. J'ai déjà tenu des armes lourdes, j'étais en Afrique, j'ai fait des choses de fou, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait des gros trucs, des grosses choses qui sur des enjeux économiques africains, pas des petits braquages ici, tu vois. C'est pas mon truc ça. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, moi j'ai traité avec des présidents, des ministres, des bails, tu vois ce que je veux dire. J'ai traité avec ces gens-là, des avions qui atterrissent, qui repartent. Tu vois, je vais pas le raconter, il faudra un long métrage à Hollywood pour que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, je suis un éducateur, je suis un athlète de haut niveau. J'ai mon éthique. Ça s'est pas fait, tant mieux, parce que ça a créé encore des polémiques, des frustrations. C'est des gens aujourd'hui que je vois plus lieu d'être pour que je sois en conflit avec eux. Tu vois, et donc ouais, ça s'est pas fait, tant mieux. Maintenant, je le respecterai toujours d'avant pour son historique. Et je n'accepterai jamais le fait qu'ils lui ont sauté dessus à plusieurs. Mais c'est le game, tu vois. Nous-mêmes, on connaît. À l'époque, son équipe aussi, il sautait sur des gens à plusieurs. Nous aussi, on a eu à le faire aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc après, on n'est pas dans le monde divin. Tu vois ce que je veux dire. Ni dans un monde de samouraï, il y a la loyauté et il y a des codes d'honneur. On est dans la street. La street, il n'y a pas de code d'honneur. Tu vois ce que je veux dire. Les codes d'honneur, c'est sport par chaque clan. Après, dans les échanges, des fois, il n'y a pas de code d'honneur. C'est des dommages collatéraux. Ça, c'est lui qui réglera ses trucs en ce temps et en heure. Tu vois. Tu verras, tu rebrilleras. Nous, on y croit. Tu verras, tu rebrilleras. Ouais, ben, y a des titres que j'ai déjà fait des petits clips sur le sport. Que les sportifs qui se laissaient aller, qui ont écouté ces titres-là, ils ont eu envie d'aller faire du sport, tu vois. Et que je remets dans le clip, que je remets dans l'album. Il y a un titre sur les Black Dragon, une autre version, la même version mais sous d'autres prods, plus asiatique, plus spirituel, qui sera dedans. Il y a un titre sur ma mère, donc la défunte mère. Il y a un titre sur les femmes, par respect pour les femmes. Il y a un titre aussi du mépris des femmes qui font les religieuses, mais au fond, elles se cachent derrière l'image de Dieu. Au fond, c'est des grosses obsédées, tu vois ce que je veux dire, qui font à l'envers à des mecs, à des vrais gars, tu vois. Donc, il y a des titres comme ça, tu vois, qui parlent de la société. Je décris, je fais une description de la société. Je ne suis pas dans le fantasme. C'est une vérité noire dans le blé.
Je décrypte que ma vérité, ce que j'observe depuis tant d'années. D'accord. Ça a pris combien de temps pour le faire, justement, l'album ? L'album, c'est depuis 2001 que je fais ça. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Et comme je ne suis pas en major, comme je suis indépendant, comme j'ai plusieurs chantiers, les arts martiaux, l'éducation et plein de trucs, et notamment les problèmes en Afrique et tout ça, et avec le livre aussi à finir, ben, c'était pas dans le timing que ça se passe. Nous, on y croit. Tu verras, tu ouvriras. Je pense que ça sortira pas avant vraiment la fin de l'année, et voire l'année prochaine 2014. Donc là, des clips au fur et à mesure, là, je vais envoyer 4 clips. C'est comme des épisodes, c'est des extraits de films. Après, c'est que des téléréalités, des clips adaptés à des actualités avec une vérité. J'ai mon propre site personnel où je vais alimenter suffisamment avec mon esprit. Je travaille avec des jeunes scientifiques qui travaillent sur les civilisations ancestrales un peu partout dans le monde pour donner vraiment un sens à toutes mes activités. Yo, yo, yo. Pour connaître les souches, retour aux sources, pain noir, gamelle froide, galère en galère. Cet album, c'est simple, des fois j'ai des petits coups dans ma tête, je me dis je vais le mettre gratuit sur le site parce que j'ai envie de démontrer à l'industrie qu'on ne peut pas toujours tout faire payant. Tu vois, des fois je me dis je mets 38 titres gratuits sur le machin. Des fois je me dis je vais mettre un téléchargement payant. Donc je suis entre ces phases-là, tu vois. Pas en physique, En physique, si en physique, ça sera vendu au plus ou de main en main. Et ça sera pas dans les librairies, dans les FNAC. Jamais. Je ne donnerai pas un euro physiquement à ces gens-là. Ça tue, non. Je le ferai que par internet. Ils tuent tout ça. Dallas Cartel, château de cartes, fondation en ruine, triste sort sortilège, malédiction sacrilège. Là, j'ai les clips, j'ai certains sites. Je vais leur envoyer un mot et je vais leur donner les liens du clip. Je vais leur dire, passez si vous voulez, passez pas, j'en ai rien à foutre. Vous ne ferez pas de moi ce que vous voulez, vous ne pouvez pas me juger parce que vous n'avez pas mon histoire, vous n'aurez jamais mon histoire. Et où vous en êtes si vous êtes dans le rap, c'est parce qu'il y a des gens comme moi, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc j'ai rien à vous prouver. Donc normalement, c'est un honneur pour vous de recevoir un clip d'un ancien. Si vous n'avez pas compris que vous commencez à communiquer, à le faire enculer. N'était pas montré. Simple, fin. Rien à faire. Voilà. J'ai envoyé à la radio avec le même truc. Il y a les télés où il y a des frères, tout ça, ou des gens bien. Tu vois, je parle des frères, ça peut être des frères blancs, hein, qui ont du sang noir, tu vois, ou des frères chinois ou autres, tu vois. Des gens qui peuvent avoir ton sang d'un coup, qui peuvent sentir qu'on est des mêmes frères. Et ceux-là, en toute fraternité, je viendrai. Mais les Canal Plus, tout ça, j'ai envoyé mon livre à Mouloud, qui est mon DVD, il a ignoré. Il est dans un système, le petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je suis peut-être le faux vancage que faut pas tondre la main, qui est indomptable. Donc il ne peut pas venir, donc je comprends. Mais il n'aura pas mon album. S'il veut mon album, il télécharge, ou je vais lui serrer la main et je lui donnerai. Jalousie ou bâton dans les roues, emprunter la route, itinéraire de nos ancêtres, Égypte, Soudan, Centrafrique. Ouais, je pense que la majorité des titres vont être clippés. C'est un film. Après, quand tu vas réunir tous les clips, tu verras que c'est un film. Tu verras que c'est un film qui parle en Afrique jusqu'à ça traverse les sociétés, ça part en Asie, dans les arts martiaux, et ça revient. Et des problèmes familiaux et tout ça. Tu verras que c'est qu'une vérité. C'est un livre. C'est le livre en découpage. Billet charter, période rouge tout de même. Départ Charles de Gaulle, Ska au Caire, de transit à Khartoum. Le prochain clip, c'est Charles de Gaulle. Ça me donne plus la Gaulle d'être le Gaulle de ta Gaulle. C'est Akhenaton, fanfaron des pharaons. Tu n'as plus de leçons à donner à personne. Je parle d'Akhenaton, je parle des présidents, je parle des maisons de disques, de tous ces gens qui disent que ta musique est bonne ou pas bonne, ton métier, ton diplôme est bon ou pas bon. Je parle de ça. Tu vois. Pour moi, tout ça, c'est des profils d'Akhenaton, de pharaon fâche. Je parle pas de Ayam. Je parle que c'est la symbolique Ayam. C'est une image comme tant d'autres. Vous prenez des bonnes paroles, derrière ça, vous vivez dans la luxure.
Et vous n'en avez rien à foutre en vérité de la population. Donc vous êtes des mythos. Et ça, vous avez plus de leçons à donner à personne. Ça, c'est le clip qui va arriver. Voilà, il y a celui-là aussi. Alors, c'est quatre clips qui vont arriver. Il y a Charles de Gaulle, Akhenaton. Il y a le clip sur les michetonneuses. Les filles, vous allez où les filles qui vont à l'église tous les jours? Derrière ça, laisse tomber. Tu vois, qui carotte les mecs, qui fait ouais, je suis pieuse, je suis ceci. Les mecs, qui plongent dedans, les mecs des ghettos, ils plongent dedans, toute leur vie tourne autour de leur femme, ils disent ça y est. Et derrière ça, ils sont trop cul jusqu'à l'os. Tu vois, je dis vas-y, c'est bon, je fais un clip là-dessus aussi. Et voilà, tu vois, j'ai un autre clip aussi sur la diversité. Je dis, qu'est-ce que l'Occident ferait sans la diversité issue de l'immigration? Toute cette beauté où les gens ils sont dans la mixité, qui donne toute la saveur, tout ça. Là. Qu'est-ce que l'Occident peut faire ça, sans ça? Un beau jardin, c'est quand il y a plusieurs fleurs, plusieurs racines, plusieurs trucs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sans ça? Il faut reconnaître cette beauté-là. Tu vois, voilà. Atterrissage à Bangui Poco. À première vue, mon peuple pacifique, devenu susceptible, lunatique. Bah, Kadhafi, il a cru qu'il avait atteint un niveau et qu'il pouvait défier le monde qu'il a créé. Bah, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore à la hauteur de ce monde-là. Tu vois, ils l'ont fait à l'envers. Donc pour moi, voilà, je me dis, père à son âme. Et chacun a son temps dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, il n'était pas éternel dans le showbiz. Donc voilà, il a fait son temps, il ne faut plus qu'il insiste trop. Tu vois. Maintenant qu'il fasse pour la cause, pour laisser ses traces, mais qu'il ne grève plus de showbiz, c'est pas la peine. Le showbiz, il tourne la page vite. Vas-y, tourne-lui, il tourne la page. Toi. Non. Moi, c'est l'image même du mal. Lui. L'image du mal, profite des nègres. Il est là, la situation des nègres est de plus en plus. Il fait encore plus de guerres en Somalie, en Centrafrique, partout. Il est partout. Il crée des guerres en Afghanistan, partout. Il est pas avec nous. Pour toi, c'est juste un faux symbole. Ouais, c'est un bidon. Lui. Seul repère dans cette fourmilière, mais très fort à chaque race tribale. Je me griffe entre ses bras sincères, la famille qui m'accueille avec joie et allégresse. Je considère. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus. C'est moi, c'est plaisir. Et puis, bon, on va suivre l'album au fur et à mesure d'avancer. Merci pour Sur mes bandits, voilà ce que j'ai à dire sur ces calomnies. C'est juste par jalousie que tous ces gens disent qu'on a à notre guise plusieurs victimes à cause du produit. La bonne cam que produit mes guides au top, mon équipe de choc, que les misquisses, les bitches.